Salut à tous, c'est Kuzari et aujourd'hui on est parti sur Raft. Alors c'est un jeu indépendant aventure survie. Il a un avis très positif sur Steam et il est sorti en accès anticipé le 23 mai 2018. Du coup il y a encore, il a encore des updates, il est encore bien suivi. Du coup j'ai décidé de me lancer dessus, de vous le faire découvrir. Donc c'est un jeu de survie sur un radeau. On doit récupérer des ressources pour pouvoir survivre et s'agrandir. Donc c'est un jeu qui se joue en solo ou en coop. Et on est parti. Allez, c'est parti. On commence à récolter quelques petites ressources. Parfait. On récupère ce qu'on peut. Ah, raté. C'est bon. Là, c'est bon. De ça, voilà, avec des feuilles de palmier, c'est ça. Et bon, voilà, récupère le maximum de choses. Mince, raté. Allez, on va regarder vite fait ce qu'on peut faire. Alors, marteau, crochet, c'est ce qu'on a, une hache, une canne et un appât. Si on a un établi, permet d'étudier de nouveaux objets à fabriquer. Ok, on a un petit stockage, un lit, permet de passer la nuit. Ok, on a plein d'objets là. Hop, on va récupérer tout ça. Hop. Ouais. Raté. Récupérer la petite... Ah non, un peu trop loin, pas grave. Voilà. Ok, une sorte de tonneau qui approche. Est-ce que les tonneaux, c'est comme le coffre à peu près? Il a l'air d'être un peu loin. On va réussir à le choper. Ouais, on a l'air d'être sur la trajectoire. Parfait. Et on a chopé une planche en passant. Ok, on obtient la ferraille du plastique. Ok, on obtient un peu de tout avec. Hop, parfait. Parfait. Arrêtez. Du plastique, du bois. Arrêtez. Ok, on va continuer un peu. Donc là, on a le petit lit qui nous permet ramener nos amis, ok, et de réapparaître avec la santé, plus de santé, ok. Ici, on a une lance en bois. Ici, on n'a rien. Ici, on a des cordes, des briques, des clous. Ici, on a une ancre jetable. Ne peut être utilisée qu'une fois. Une pagaie, une voile, banderole, sens de navigation. Ok. Allez. On récupère notre deuxième tonneau. Oh, le petit requin. Ok, on a eu de la corde, la planche. Ok. Ici, on en était où? Là, ok. Il n'y a pas grand-chose. Il y a une île juste devant nous. Je vais regarder pour faire une pagaie. La pagaie, c'était où? C'était là. Et il nous faut de la corne. On peut en faire comme ça. Ouais. Ok, on a la pagaie. Va se diriger vers le petit tonneau déjà là. Hop, voilà. On est sûr de l'avoir. Parfait. Et on va se diriger vers la petite île. Comme ça. On est bon. Récupérer la planche. Le plastique. Ah non, par ici. On va récupérer celui-là par contre. Parfait. Allez, un peu plus de bois. Ouais, encore du bois. On peut le récupérer comme ça là. Oui, on peut. Pas trop mal. Hop. Il y a deux tonneaux là-bas. On ira après l'île, je pense, si ça bouge pas. Ah, raté.
Hop. Encore raté. Voilà. Au moins ça, on l'a eu. Et on va se diriger vers l'île. On va se mettre dans la petite truc là. Ok, on va récupérer ça. Allez, on s'y met. J'espère qu'il bougera pas trop notre ado. Voilà. Allez, on va explorer. Couleur bleue. Oh, ça sert. Encore mon couleur. Ok, c'est pas très utile pour l'instant. Ok, on a un ananas. Le bateau, il reste là. Une fleur rouge, une fleur rouge. Monte en face. Est-ce que par là, c'est possible? Oui. Regardez notre poteau. On peut pas les récupérer comme ça? Tant pis. Là, on a une fleur jaune. Une pastèque. Encore une pastèque. Ici, on a encore un arbre. Ok, on aura fait le tour de l'île. Il y a des choses par ici sous l'eau. Je vois qu'il y a de la terre aussi. Le requin, je sais pas où il est. Hop. Je ne vois pas le requin. Donc, pour l'instant, c'est bon signe. Ah non, c'était pas bon signe. Il était derrière moi. Ici, on a quoi? Ok, on a de la ferraille. Ça aussi, c'est de la ferraille, je le suppose. Ouais, c'est de la ferraille. Mince, il nous a encore attaqué, mais on a encore de la vie. Récupère ça. C'est de la pierre. Récupère encore la pierre. Hop. Là, il y en a encore ici. Il est où le petit requin? Ouais, il vient de nous attaquer. Ah, j'ai plus de crochet apparemment. On va retourner par ici, sur la terre ferme. Est-ce qu'on peut en faire des crochets? J'avais pas vu ça. Gobelet. Rempli pour de l'eau. Purifie de l'eau de mer, ok, pour de l'eau douce. En brûlant des planches, ici pour cuire, et ici pour récolter. Pour récolter, ouais. Et on a des graines. Ok. Notre faim et notre soif, ça va. Et le crochet, c'est ici. Ouais, je vais pas en faire un nouveau. Par contre, j'ai plus trop de vie. Hein. Parce que je peux faire une arme, oui. Et j'ai pas ce qu'il faut. On va les faire les cornes. Si, je peux les faire. Et on va s'équiper ça en deux. Alors, le petit requin. C'est où, petit requin? Je sais pas où il est. On va continuer à récupérer de la pierre. Parfait. Okay. Il nous a loupé. C'est encore de la pierre ou pas? Ouais. Alors, petit requin, où es-tu? Arrive à nous attaquer ici. Où es-tu, petit requin? Il est là. Faire la chasse au requin, on va voir si c'est possible. Yeah. Ouais, j'ai pu le toucher, mais lui, il m'a fait beaucoup de mal aussi. Ok, je suis dans le mal. On va manger un bout, je sais pas si on nous redonne de la vie ou pas. Ok, pour l'instant, on est bon. C'est con, j'ai pas pu ramasser grand chose. Je vois que là, il y a une sorte de coquillage. Il y a de la pierre ici. La vie remonte un peu. Allez, on va essayer de récupérer le coquillage là pour voir ce que c'est. Ok, ça se récupère à la main. Ah, il y a des trucs encore différents. J'ai vu le long de la paroi, ici. Ça ressemble à du cuivre. On va remonter avant que le requin il nous bouffe. J'ai vu qu'il était pas loin. Hop. C'est bien du cuivre du coup.
Et ça, au sol, ça ressemble à du sable, vu la couleur, ou de la pierre encore. Ouais, c'est bon. Il nous a pas eu. Je sais pas si c'est le fait d'être le long de la paroi. Eh ben non, c'est pas ça. Et on va vite remonter, parce qu'on n'a plus de vie. Voilà. Ok. On est bon, alors. On a bien récupéré de la pierre, on a bien récupéré du sable, peut-être fondu pour obtenir du verre, de l'argile. Oh, on attaque comme ça, hein? Allez, allez, allez. Oh, t'es passé à travers le sable? Il m'a fait des dégâts, là. J'ai vu qu'il y avait un marteau, ça servirait pas à ça. Pratique pour agrandir votre radeau. Si, est-ce qu'on a de la corde? Hop. Ok. Lag 5%, comment je fais pour le réparer? Non, mais je peux créer d'autres trucs ici. Ok. Réparer. Ok, c'est là. Ok, ça coûte que des planches. Ici, pour faire ça. Je peux. Et j'ai plus de planches. Ok. Non, j'ai pas envie de faire un toit. J'ai juste envie de pagayer. On va partir. Est-ce que de toute façon j'ai pas assez de vie? On a récupéré 2-3 trucs. On va essayer de récupérer la planche là en passant. Voilà, et je vois qu'il y a un tonneau là-bas. On va le récupérer. La pagaie s'use vite, hein. Ouh, qu'est-ce que j'ai jeté là? Si je me trompe de bouton, ça va pas le faire. Allez, on récupère le premier, ce petit tonneau. On a de la nourriture apparemment, de la betterave crue. Pas pu récupérer ça. Et on a un tonneau ici. Ah, raté. Raté, raté. Attends, reviens un peu. Il me faut le tonneau là. Surtout s'il y a de la nourriture. Je vois qu'on a une patate aussi. Allez, reviens, reviens, reviens. Encore un peu. Hop. Je l'ai eu. On a eu notre tonneau. Et on a une patate aussi. Ok. Donc là, on peut partir en navigation. Ah mince, il y a encore un tonneau là-bas. Je l'ai eu. Parfait, on a eu des planches et de la patate. On va pas manquer de nourriture pour l'instant. Hop. Récupérer de la planche. On va faire quoi? De quoi? Purifier de l'eau aussi, j'ai vu qu'on pouvait le faire. C'était ici. Purificateur d'eau. Il me faut des feuilles de palmier. Et là, autour de moi, je n'ai plus rien. Ah là. Non. Ça marche pas. Je les ai pas eu. Ah, j'ai loupé la planche. Elle va sortir où? Ici. Non, je l'ai pas eu. Hop, une petite planche, ça fait pas de mal. Ici. Hop. Voilà. Une petite feuille de palmier encore. Je surveille qu'il n'attaque pas mon radeau. Ce serait con, hein. Il est déjà pas très grand. En plus, ça coûte cher de le réparer. Parce que j'ai pas beaucoup de ressources. Ah, raté. Alors. On a de quoi en faire? Non, on en a de quoi. Ah, raté. Raté. Complètement raté. Hé, hey, je suis passé en plein dessus. Les vagues, ça aide pas à choper. Voilà, une. Ah, une feuille de palmier. Parfait.
Oh, on croirait qu'on est dessus, mais on n'est pas dessus. Hop. Après, j'en suis loin. C'est même pas où je suis, quoi. Avec ce. Ça vole pas très loin. Hein. Hop. Voilà. La feuille de palmier. Encore une feuille de palmier, ça devrait être bon, on devrait pouvoir le poser. On va récupérer le bois en passant. Et ben non, on l'a pas récupéré. Encore une feuille. Non. Ah, il y a un petit tonneau là. Et on en a loupé un autre. Parfait. Permet. Vous pouvez désormais étudier antenne. Ok, on a débloqué un plan peut-être, je sais pas, une recette. Pleine tempête, c'est compliqué d'avoir des ressources. Ah, les feuilles de palmier là. Hop. Deux, toi. Voilà. Alors, on le fabrique. Donc, on doit sûrement le mettre là. 4 et on va le mettre en plein milieu. Donc il faut placer des planches. Il me semble qu'il disait fermer. Ok, il faudrait un gobelet. On peut le faire. Ok, toi, on te récupère. Alors. Ok. Placer gobelet à eau. Ok, et là ça doit me le purifier du coup. Hop, hop. Verser liquide, bah oui, j'ai pas envie de boire de l'eau de mer. Hop. Attends, plastique, on en a plus du tout. Raté. Ah, raté. Allez, ça commence à se calmer. Ça va faire du bien. Raté la feuille. Voilà. Un bout de plastique. Et non. On va peut-être avoir la feuille. Oui. On a eu la feuille. Toi, on va pas te louper. De toute façon, il va attaquer. Ouais, il va attaquer. Mais lâche. Ah, il m'a fait des dégâts, hein. Ah oui. Voilà. Récupérons la planche. Ah, il n'y a plus de tempête, ça va mieux pour viser du coup. Hop, j'aurais pu le récupérer comme ça. Tant pis, c'est fait. Toi, non, je peux pas te récupérer comme ça. Un bout de plastique. Un tonneau. Ouh, il y a trois tonneaux même. C'est pas trop mal. Parfait. Pas mal de planches. Voilà, on a eu au moins celle-là. On va voir toi. Et regardez, magnifique lever de soleil là. On a le temps d'en profiter. On doit ramasser. Parfait. Vous pouvez étudier récepteur, c'est ça, hein? Voilà. Alors, ici, apparemment, ça a fini. Remplir eau douce. Et là, on la boit. Parfait. Ça marche bien. Ok. Maintenant, il faudrait qu'on puisse cuire la nourriture. Il nous faut de la corde. Parfait. Donc ça, c'est fabriqué. On va te mettre à la place de la ferraille. Et on va te mettre juste ici. Alors, comment ça marche? On met du bois. La patate. Hop, c'est pas ça, c'est ici, on fait cuire la patate. Ok, est-ce que je peux fabriquer un crochet? Je vois qu'il va mourir là. Crochet, c'est où le crochet? Oui. Ouais, il s'est mis là. Je vois qu'on a presque plus de place aussi sur nous. Il faudrait ça. Il faudrait du plastique. Place. Ça. Un peu de GRT.
Ok. Récupère ça. On a un tonneau là-bas. On va essayer de le récupérer. Hop. C'est bon, on va pouvoir le récupérer. Récupérons les feuilles en passant. Il me faut du plastique surtout. J'ai entendu un bruit. Ah, la pomme de terre est cuite. On peut la manger. Parfait. Nous a redonné un peu de nourriture. Faudrait qu'on en fasse cuire une nouvelle. Parfait. Faire le plastique. Le crochet. Hop. Le tonneau. Il y a pas mal de tonneaux, ça va. Ok, on a pas mal de pommes de terre. On est bon. On a de la feuille. Récupérer le plastique là-bas. Ah, je suis trop loin. Hop. Parfait. Un peu de plastique. Voilà, donc là, notre eau c'est bon, la patate elle cuit. On doit faire notre coffre. Et il nous manque une corne, on peut le faire, c'est parfait. C'est mis où? En 1. On va te coller juste ici. Alors. Non, je voulais ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Ça, pour l'instant, on peut rien en faire. Non, on va te garder. La pierre, toi, pareil, je sais pas, le plan, le deuxième plan, toi, on va te mettre ici, la pagaie, on va te laisser là, les graines, pour l'instant, je peux rien en faire, et on est déjà plein. Hop, on va peut-être penser à s'agrandir, là, il nous faut du plastique encore. Ah, raté. Voilà. On a du plastique ici. On va l'avoir ou pas? Non, on l'a pas eu. On a un tonneau qui arrive. Du bois. Ça compte pas mal, on en aura besoin de toute façon. Hop. On loupe pas le petit tonneau. Ok, on a eu du plastique, c'est parfait. Encore du plastique, allez, viens vers nous. On est bon. Un peu de bois. Alors, hop. Ça grandit, on continue. Et il nous faut encore du plastique. Déjà, au moins, on peut bouger sur notre radeau, c'est déjà mieux. Voilà, ça, le plastique, on en a là. Et on peut pas l'atteindre. Le bois, on en a plein. Hop, hop. Là, je peux pas l'atteindre, le plastique, là. Les feuilles, hop, on va avoir besoin de vous. Hop. On va plus trop en avoir avec tout ce que j'ai utilisé en corde. Voilà, un peu de plastique. Pas raté. Le tonneau. C'est bon, on va l'avoir. On est bon. J'ai pas eu beaucoup de plastique. Voilà. Ici, il y a du tonneau par là-bas. Il y en a pas mal, il y en a 4 en tout. On va essayer de récupérer le petit plastique qu'il y a ici. Et il serait peut-être temps aussi de manger. Délaisser la boue. Nanana, je pense pas qu'il y ait besoin de le faire cuire. On va le manger direct. Ouf. Mais vite, tu vas me faire louper le tonneau. Parfait, on l'a eu. On a eu ici, il y a du plastique, c'est parfait. On a eu de la pierre dans le tonneau, tiens.
Allez. En même temps tirer et récolter, ça c'est parfait, ça c'est parfait. Allez, on récupère ça. Ok, pas mal de bois et de feuilles. Hop, on récupère déjà ça, on récupère ça, parfait. Et on va récupérer ce tonneau là avec le plastique, là, les petites feuilles. Je sais pas si on n'est pas plein là. Non, c'est bon. Voilà. Allez, on va récupérer la pomme de terre. Voilà. On fait cuire ça. On met de la planche. On prend notre gobelet rempli d'eau. Mais je crois qu'il était déjà rempli, non? Ouais, on le vide. On remplit, on boit. Et voilà. On va manger notre ananas aussi. Voilà, ça fait remonter un peu la nourriture. C'est pas trop mal. Parfait. Et on va faire notre petit coin qui manque là. Là, et on va réparer. Ça. Voilà. Et je m'en refasse un petit crochet. C'est bon. Là, ça en se court. Un peu de bois. On a une île ici. Une grande île apparemment. Récupérer tout ce qu'on peut avant de se diriger vers l'île. Là, on dévie un peu. Et qu'on a un tonneau pas très loin. Hop. Voilà. Et ça y est, notre crochet a lâché. On va essayer de récupérer ce tonneau, les feuilles qui sont là aussi. Ok, ça vient vers nous pour économiser notre crochet. On a eu 3 feuilles. Parfait, on a eu du plastique. On a 9 de plastique maintenant. Allez, on récupère ça sur le passage. Ça trace là. Ça va vite. Et donne-moi le plastique. Non, raté. La feuille là. Hop. Voilà, allez, on va se diriger vers l'île, en espérant que la pagaie, elle tient. Hop, donne-moi ça. Voilà. On va essayer d'aller vers la crique là-bas. Histoire que notre ado, il s'y mette et qu'il y bouge plus. Allez, allez, allez. Ça avance, on y est presque. La pagaie, je sais pas si elle va résister. Et là, on se bat contre le courant. Voilà, et non, on bouge. Est-ce que je peux faire une encre jetable? J'ai vu qu'il y avait tout à l'heure. Non. Voilà, j'ai de la corde. J'ai pas assez de pierre. Mince. Où je m'éloigne de l'île. J'ai vu qu'il y avait une... Ah ouais, il y a une voile. Hop. On va poser en plein milieu. Alors, comment ça marche? On l'ouvre. On peut... Ok, la diriger. Ça va pas durer. Voilà. Ouh, je suis tombé. Et donc l'île, elle est là. On va se diriger comme ça.
J'ai l'impression qu'on s'éloigne quand même. Ouais, on a l'air de s'éloigner. Ah, c'est dommage. Hop. Allez, on va y arriver. Pas si le vent il tourne ou pas, parce que ce serait bien qu'il vienne à notre faveur et qu'il nous aide à rester sur cette île. Ce serait pas trop mal. Voilà, allez, on va vite faire le tour. Ok, non, il se barre. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour cet épisode. On essaiera de visiter cette île au prochain épisode. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. À plus !